Salut, hi. This is Anthony from Explore French, and in this A2 level podcast, I will talk about objects and inventions, the development of smart objects in our daily lives, and the denunciation of consumerism by artists such as Jean Tinguely and Romuald Hazoumé, whose work is based on recycled objects. We will practice the demonstrative pronouns and the carbon past, and we will review the vocabulary from daily life objects, activities, and much more. In the first part of this podcast, I will speak French only, and in the second part, I will translate and explain everything I said in English. the transcription for this podcast is available on my website www.explorefrench.com dans la vie nous sommes entourés d'objets nous sommes entourés d'objets de tous types et de tous genre. vêtements accessoires ustensiles Appareils électriques, véhicules, tous ces objets ont été pensés, imaginés, conçus par des hommes. Lorsque l'objet imaginé et réalisé est particulièrement original, utile et important, on dit que c'est une invention. Son créateur est aussi appelé un inventeur. Pouvez-vous dire dans quel pays sont nées les inventions suivantes Par exemple, le papier Il a été inventé en Chine. La pile électrique Elle a été inventée en Italie. L'ampoule électrique Elle a été inventée aux États-Unis. La photographie et le cinéma Ils ont été inventés en France. Ces inventions, comme beaucoup d'autres, ont transformé nos vies. Beaucoup d'inventions sont d'origine française. Nous avons déjà mentionné la photographie. Celle-ci a été inventée par Joseph Nicéphore Niepce. Nous avons aussi mentionné le cinéma. Celui-ci a été inventé par Louis et Auguste Lumière. Parmi les autres inventions françaises, il y a par exemple le vélo et l'écriture braille utilisée par les malvoyants. Une personne malvoyante désigne généralement une personne aveugle. En plus du vélo et du braille, les Français ont inventé le soutien-gorge, la voiture, le parapluie pliant et bien d'autres choses. Parmi les inventeurs contemporains français célèbres, il y a Raoul Parienti. Raoul Parienti a gagné plusieurs fois le Concours Lépine. Le Concours Lépine, pour information, est un concours d'invention créé par Louis Lépine en 1901. Raoul Parienti est notamment à l'origine du téléphone portable, du porte-monnaie électronique, de la voiture autonome et du scooter électrique pliable. Aujourd'hui, les objets qui transforment le plus notre quotidien sont les objets connectés. Les objets connectés font référence aux objets connectés à Internet. Ceux-ci sont des objets intelligents et multifonctions. L'objet connecté le plus populaire est bien sûr le smartphone. Grâce aux nombreuses applications disponibles sur smartphone, on peut tout faire, ou presque. Par exemple, on peut téléphoner, lire ou écouter les informations, jouer à plein de jeux différents, faire du sport, faire ses courses ou du shopping, apprendre des langues et accéder à tous les réseaux sociaux. Au-delà des smartphones, on trouve aujourd'hui des enceintes connectées comme Alexa ou des montres connectées qui permettent de téléphoner, de recevoir des messages, de se localiser, de connaître son rythme cardiaque et d'enregistrer le nombre de kilomètres parcourus. Il y a des lunettes connectées avec caméra et micro intégrés, des ceintures connectées, utiles pour le sport, ou des ampoules connectées qui s'allument et s'éteignent à des heures programmées et qui peuvent changer de couleur. Il y a encore des stylos connectés, des vêtements et des chaussures connectés, et même des frigos connectés qui permettent de surveiller l'état des aliments, préparer des listes et envoyer des commandes ou consulter des recettes de cuisine. L'augmentation de la consommation conduit malheureusement à l'augmentation de nos déchets. Nous achetons plus d'objets, nous les remplaçons rapidement, et notre soif de consommation nous conduit à jeter toujours plus. Notre planète se transforme en poubelle, et pour dénoncer cette pollution, Certains artistes donnent une seconde vie à nos déchets en les transformant en œuvres d'art. C'est le cas de Jean Tinguely, le mari de Niki de Saint Phalle, avec ses machines sans queue ni tête, ou de Romuald Azoumé, qui s'inspire de l'art primitif africain pour transformer les déchets en somptueuses œuvres d'art. Jean Tinguely est né en 1925 en Suisse. Il a réalisé des sculptures en métal dès le début de sa carrière. Au début, il a réalisé des sculptures animées, puis il a commencé à réaliser des machines immenses et inutiles à partir d'objets métalliques abandonnés. À travers ses œuvres, il a voulu dénoncer la mécanisation et l'industrialisation de la société ainsi que la production incessante d'objets neufs. En effet, celles-ci sont selon lui responsables de l'explosion du consumérisme au XXe siècle. En 1971, il s'est marié avec Niki de Saint-Phalle, connue pour ses nanas. Ensemble, ils ont créé la fontaine Stravinsky, à côté du centre Pompidou. La mairie de Paris a commandé cette œuvre aux artistes pour célébrer l'œuvre musicale du compositeur russe, Igor Stravinsky. Romuald Azoumé est né en 1962 au Bénin. Dans les années 80, il a récupéré des bidons abandonnés et il a transformé ces bidons pour créer des masques inspirés de la culture traditionnelle africaine. Avec ces masques, il a voulu condamner la pollution de l'Afrique par les déchets de la société de consommation occidentale parce que l'Afrique n'est pas une poubelle, il a essayé symboliquement par ses œuvres de renvoyer aux occidentaux leur poubelle. Right, let's try to translate this in English. Dans la vie, in life, nous sommes entourés d'objets We are surrounded by objects. Être entouré de means to be surrounded by. Nous sommes entourés d'objets. Nous sommes entourés d'objets de tout type et de tout genre. We are surrounded by objects of all types and of all kinds. Un type et un genre. A type. And a kind des objets de tout type et de tout genre vêtements accessoires ustensiles appareils électriques véhicules clothes accessories ustensiles, electric appliances vehicles un appareil électrique an electrical appliance tous ces objets ont été pensés All those objects were thought, imaginé, imagined, conçu par des hommes, conceived or designed by men. concevoir quelque chose to design something or to conceive. Lorsque l'objet imaginé est réalisé, when the object imagined and realized est particulièrement original, utile et important, is particularly original, useful and important, on dit que c'est une invention. We say that it is an invention. Son créateur est aussi appelé un inventeur. His creator, or designer, is also called an inventor. Pouvez-vous dire, can you say, dans quel pays, in which countries, sont nées les inventions suivantes, were born the following inventions? Être né means to be born. Dans quel pays sont nées, in which countries were born, les inventions suivantes, the following inventions? par exemple par exemple le papier paper il a été inventé en Chine it was invented in china so here we've got the passive form yeah, with a été it was il a été inventé it was invented la pile électrique battery une pile électrique it's a battery elle a été inventée en Italie it was invented in Italy l'ampoule électrique the light bulb in french we say electric bulb but it's the light bulb elle a été inventée aux États-Unis It was invented in the United States. La photographie et le cinéma. Photography and cinema. Ils ont été inventés en France. They were invented in France. Ces inventions, those inventions, comme beaucoup d'autres, like many others, ont transformé nos vies, transformed our lives. Beaucoup d'inventions sont d'origine française. Many inventions, literally, they are of a French origin. Nous avons déjà mentionné, we have already mentioned, la photographie. Photography. Celle-ci, This one, meaning the latter, a été inventé, was invented, par Joseph Nicephore Niepce. By Joseph Nicephore Niepce. Celle-ci is a demonstrative pronoun. It replaces la photographie. And here we use celle, which is feminine, because la photographie is feminine. Celle-ci, this one, a été inventé par Joseph Niepce. Nous avons aussi mentionné. We have also mentioned le cinéma. Cinema. Celui-ci, this one, like the latter, a été inventé par Louis et Auguste Lumière. Was invented by Louis and Auguste Lumière. Here. To say this one, referring back to the cinema, I use celui, celui-ci. Celui is masculine because it refers to le cinema, which is masculine. So in those two sentences, celui-ci, meaning this one in English, can be translated by the latter because it's referring back to the last word of the previous sentence. Parmi les autres inventions françaises, among the other French inventions, parmi means among, il y a par exemple, there are, for instance, le vélo, the bike, et l'écriture braille, and the braille writing system, utilisée par les malvoyants, used by visually impaired people une personne malvoyante is a visually impaired person une personne malvoyante a visually impaired person désigne généralement une personne aveugle usually refers to a blind person désigner to refer to désigne une personne aveugle refers to a blind person En plus du vélo et du braille on top of the bike and braille les français ont inventé le soutien-gorge French people invented the bra or bras for women la voiture like the car or cars le parapluie pliant the foldable umbrella or foldable umbrellas. Pliant means foldable. It comes from the verb plier, to fold. Et bien d'autres choses. And many other things. Parmi les inventeurs contemporains français célèbres, among famous French contemporary inventors, il y a Raoul Parienti. There is Raoul Parienti. Raoul Parienti a gagné plusieurs fois le concours Lépine. Raoul Parienti won several times the Lépine competition or the Lépine contest. Plusieurs means several. Plusieurs fois, several times or many times. Le concours Lépine, the Lépine competition the Leaping Contest. Pour information, for your information, est un concours d'invention, is an invention competition, créé par Louis lépine, created by Louis lépine en 1901, in 1901. Raoul Parienti est notamment à l'origine du téléphone portable. So here notamment means among other things. À l'origine du téléphone portable. Literally at the origin of the cell phone, on the mobile phone. So in French we say être à l'origine de, like to be uh, at the origin of something. It means that one is the creator, the designer of something. Raoul Parienti est notamment à l'origine du téléphone portable means something like Raoul Parienti is, among other things, the creator of the mobile phone or the cell phone. Du porte-monnaie électronique, so literally of the electric purse. de la voiture autonome so literally of the autonomous car referring to the driverless car cars without a driver et du scooter électrique pliable the foldable electrical scooter aujourd'hui today les objets qui transforment le plus notre quotidien Objects that transform our daily life the most sont les objets connectés, or smart objects. So, les objets qui transforment, objects that transform, le plus, the most, notre quotidien, our daily life. Le quotidien, here it means the daily life. Les objets qui transforment le plus notre quotidien Objects that transform the most our daily lives Or objects that transform our daily lives the most Sont les objets connectés Or smart objects So in French we don't say uh, smart objects We say connected objects Les objets connectés Connected objects Or smart objects Font référence aux objets connectés à Internet. Refer to objects connected to the Internet. Faire référence à to refer to et connecté à Internet. Connected to the Internet. In French, we don't say the Internet. We just say Internet. It's like a proper name, so we don't use any article in front of it. Connectés à Internet. Ceux-ci, those ones, so referring to smart objects. Here, ceci, is also a demonstrative pronoun, masculine plural. Ceux-ci, hmm, these ones, sont des objets intelligents et multifonctions. Are clever or smart and multifunction objects l'objet connecté le plus populaire, the most popular smart object, et bien sûr le smartphone, is of course the smartphone. Grâce aux nombreuses applications disponibles sur smartphone, thanks to the numerous applications available on smartphones, les nombreuses applications numerous applications or numerous apps. Disponible means available. Grâce aux nombreuses applications disponibles sur smartphone, on peut tout faire. One can do anything or everything. Ou presque or nearly. Presque means nearly. Par exemple, for example, on peut téléphoner One can make a phone call, téléphoner, to call, to make a phone call. Lire ou écouter les informations. Read or listen to the news. Hein, les informations. Uh, we don't say les nouvelles. Yeah? We say les informations. To say the news. Or we can say les infos, which is the short for les informations. Jouer à plein de jeux différents. play to plenty of different games plein de means plenty of lots of plein de jeux différents plenty of different games or lots of different games faire du sport do sport or exercise faire ses courses ou du shopping do the groceries or shop or get the groceries or shop Apprendre des langues, learn languages, et accéder à tous les réseaux sociaux. And access all social networks. Au-delà des smartphones, beyond smartphones, on trouve aujourd'hui des enceintes connectées. We find today smart speakers, comme Alexa, like Alexa, ou des montres connectées on smart watches une montre a watch une montre connectée a smart watch qui permettent de téléphoner that allow you or that allow people to call to make a phone call de recevoir des messages receive messages de se localiser to locate yourself de connaître son rythme cardiaque To know your heart rate, le rythme cardiaque. Rythme in French means rhythm, rate or pace. It depends on the context. Here, le rythme cardiaque, the heart rate. Et d'enregistrer le nombre de kilomètres parcourus, and to save or to record the number of kilometers travelled, or The number of kilometers you did. Il y a des lunettes connectées. There are smart glasses. Avec caméra et micro intégrés, With integrated camera and mic. Des ceintures connectées. Small belts. Utiles pour le sport. Useful for sport. Or sport activities. Ou des ampoules connectées ou « smart bulbs » qui s'allument et s'éteignent à des heures programmées. Like, that can be switched on or switched off at fixed hours, at set hours. Programmer quelque chose, in French it's like to set a time or to fix a time. Programmer. Et qui peuvent changer de couleur. And that can change colors. Il y a encore des stylos connectés, there are also smart pens, des vêtements et des chaussures connectés, smart clothes and shoes, et même des frigos connectés, and even smart fridges, qui permettent de surveiller l'état des aliments, that allow you or allow people to surveiller like to monitor or to watch Yeah, surveiller, it's like to keep an eye on something. L'état des aliments. The state of the food. Préparer des listes et envoyer des commandes. To prepare lists and to send orders. Une commande is an order. Envoyer une commande. To send an order. Ou consulter des recettes de cuisine. Or read or look up. Des recettes de cuisine (cooking recipes). L'augmentation de la consommation (the increase in consumption) conduit malheureusement à l'augmentation de nos déchets (leads, unfortunately, to the increase of our rubbish, or to the increase of our waste). Conduire à means to lead to conduire à l'augmentation de nos déchets to lead to the increase of our waste or rubbish. Nous achetons plus d'objets. We buy more objects. Nous les remplaçons rapidement. We replace them quickly. Et notre soif de consommation and our thirst of consumption Nous conduit is leading us or leads us à jeter toujours plus. To throw always more. To throw things away always more. Notre soif de consommation nous conduit à jeter toujours plus. Notre planète se transforme en poubelle. So literally, our planet is becoming a trash can or a bin. Yeah. Se transformer is like devenir, to become. I could say, notre planète devient une poubelle. It's becoming a bin, a trash can. Et pour dénoncer cette pollution, and to denounce that pollution, certains artistes donnent une seconde vie à nos déchets. Some artists, certain artists, Give a second life, une seconde vie, à nos déchets, to our rubbish, en les transformant, by transforming them or by turning them en œuvres d'art, in or into works of art. C'est le cas de Jean Tinguely. It's the case of Jean Tinguely, le mari de Niki de Saint Phalle. the husband of niki de saint phalle or niki de saint phalle's husband avec ses machines sans queue ni tête with his nonsensical machines so une machine is like a machine or a device and sans queue ni tête literally without any tail or head means nonsensical illogical ou de romuald azoumé, or of romuald azoumé, qui s'inspire de l'art primitif africain, who gets his inspiration from african primitive arts. s'inspirer de quelque chose means to find inspiration in something. s'inspirer de blah, blah, blah like literally to inspire yourself from or of something. Il s'inspire de l'art primitif africain pour transformer to transform les déchets rubbish waste en somptueuses œuvres d'art in sumptuous works of art. Jean Tinguely est né en 1925 Jean Tinguely was born in 1925 en Suisse In Switzerland, il a réalisé, he realized, des sculptures en métal. Sculptures in metal. Dès le début de sa carrière. From the very beginning of his career. De here means uh, from, but from the very beginning of something. Au début, at the beginning. Il a réalisé des sculptures animées. He realized animated sculptures. Puis, then il a commencé, he started il a commencé à réaliser des machines immenses et inutiles. He started to realize to make huh, huge and useless machines. Mm -hmm. Immense means huge. À partir d'objets métalliques abandonnés. From abandoned metallic objects. Here, abandonné actually means thrown away. À partir de means from, made out of abandoned metallic objects. À travers ses œuvres, through his works, il a voulu dénoncer, he wanted to denounce, la mécanisation et l'industrialisation de la société, mechanization and industrialization of society, ainsi que la production incessante d'objets neufs, as well as ainsi que hein, as well as la production incessante, the ceaseless production, d'objets neufs. Of new objects. En effet, indeed, celles-ci sont selon lui, these ones are according to him. So here, celles-ci, these ones, feminine, plural, refers back to uh, mechanization and industrialization. So these ones, those two, sont selon lui. They are, according to him, responsable de l'explosion du consumérisme, responsible of the explosion, like the boom in consumerism, au XXe siècle, in the 20th century. En 1971, in 1971, il s'est marié avec Niki de saint Phalle. He married Niki de saint Phalle. Se marier is reflexive in French, like to marry yourself. You know? So in English, you can say he married Niki de saint Phalle or he got married with Niki de saint Phalle. Connu pour ses nanas. Well known for her nanas. Hein? Connu pour, it means like well known or famous for. Ensemble, together, Ils ont créé la fontaine Stravinsky. They created the Stravinsky Fountain à côté du centre Pompidou. Next to the Pompidou Center. La mairie de Paris, the Paris City Hall, a commandé cette œuvre aux artistes. Ordered that work, that work of art, to the artist, meaning Niki de Saint-Phalle and Jean Tinguely pour célébrer l'œuvre musicale to celebrate the musical work du compositeur russe of Russian composer Igor Stravinsky Romuald Azoumé est né en 1962 Romuald Azoumé was born in 1962 au Bénin in Benin Dans les années 80, in the 80s, in French we say in the years 80, but it means in the 80s, il a récupéré des bidons abandonnés. He collected, abandoned, or thrown away cans or containers. Un bidon is like a can or a container, and typically for oil or gas. Et il a transformé ces bidons and he transformed those cans or those containers pour créer des masques in order to hein, pour, in order to or to create masks. Inspirés de la culture traditionnelle africaine. Inspired by or from the African traditional culture. Avec ces masques, With those masks, il a voulu condamner, he wanted to condemn, la pollution de l'Afrique, the pollution of Africa, par les déchets de la société de consommation occidentale. By the waste, or the rubbish, of the Western Consumer Society. La société de consommation, Consumer Society. Occidental means Western. Hein, la société de consommation occidentale. Western Consumer Society. The opposite of occidental is Oriental. Eastern. Oriental. Parce que l'Afrique n'est pas une poubelle, because Africa is not a trash can or a bin, il a essayé. He tried, symboliquement, symbolically, par ses œuvres, by his works or through his works, de renvoyer aux occidentaux leur poubelles renvoyer like to send back, hmm? to send back to westerners their rubbish, like their own rubbish, their own waste. <coughs> Okay, that's all for this podcast. Thank you for listening. I hope you enjoyed it. And if you want to get hold of the transcription for this podcast, please visit my website www.explorefrench.com.